Bon, alors, on va. Alors, quand il y a le jingle, là, parce qu'on met le titre et tout ça, il ne faut pas bouger, parce que sinon, ça oblige à figer l'image. Donc. La lumière. Et voilà. C'est pas beau, ça. Ça m'amuse. C'est que je dis. Ouais, c'est un truc pour faire marrer moi. J'ai pas compris. Non, non, mais c'est pas ça. Comme on écrit par-dessus, on bouge pas et tout. Ça évite de figer l'image en régie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça gagne du temps. Bon, vous êtes prête? Oui. Bon. Alors, dernier coup. Hein. Votre dernier coup dur? Dernier coup dur. Des histoires de personnel, par rapport à mes enfants. Auxquels je tiens, enfin qui sont mes compagnons de vie, quoi. Heureusement que je les ai. Donc voilà, des choses de ma vie. Ils ont été malades? Non. Ils sont fait virer de l'école? Je peux en parler par rapport à. Ils ont chouré chez les piscines? Non, mais dites-le, c'est pas grave, tous mes enfants font ça. Non, ils ont fait bien. Un peu de bêtises. Pas les vôtres. Bien, mon dernier coup de tête. Téléphoner à un copain, je sais pas. À 3h du matin. Non, mais oui, non, mais que je devrais dormir. En lui disant, viens vite. Non. Non. Ah bon. Non. Ça s'appelle pas un coup de tête, ça. C'est un autre nom. Non, j'ai l'esprit mal tourné, je sais, c'est comme ça. Non, mais ça, je le sais. Dernier coup de foudre. Par rapport à un homme, amoureusement. Non, alors là, ça fait longtemps. Non. Ah bon? Non. Non. Je crois qu'on m'a lancé un appel. Non. Ah non, merci. Je crois qu'on m'a lancé un appel. Je suis engueulée par mon père. Vous voulez pas qu'on lance un appel avec un... Il aime bien lancer des appels. Avec un numéro vert? Non. Pourquoi votre père, il vous engueule si vous... Non, quelquefois, il regarde les émissions à la télé. En plus, il sait très bien que je j'aime bien mes mamans aussi. Maman, elle est plus discrète, tout ça. Ouais. Mais il dit, oui, tu comprends ça. Il n'aime pas que je parle trop. Mais maintenant, il sait que je parle tout ça. Mais oui, il n'aime pas que j'ai des gros mots, des trucs vite. Jusque-là, elle s'est bien comportée. Quand vite vite. Elle a dit vite, merde. C'est sorti. Alors là, j'ai Michel Cotta. Michel Cotta, l'ami de Dieudonné. Thierry, franchement, on t'aime bien, mais là, tu exagères. Voilà, bah, elle est là. Hein. Oui, donc votre père qui était journaliste pour le RTF, faut bien le dire. Hein. Absolument. Et pour qui était en Afrique, en plus. C'était pas à Dakar, votre père? Si, je suis née, je suis africaine. Vous êtes née à Dakar, vous appelez Meriem, je connais tout de vous. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas me raconter l'histoire, moi. Bon. Dernier coup de rein. De rein? De rein. Donc l'amour. Hier. Ah! Ah, mais vous nous rassurez quand même. J'espère que monsieur Célarier est rassuré, donc. Et que... Papa? Oui, papa. Il est rassuré, papa. Non, parce que. Que sa fille, amour. Donc c'était pas avec le dernier coup de foudre, c'est ça, il y a le coup de foudre. Oui, mais c'est pas un coup de foudre, ce monsieur, c'est un ami. Je peux pas dire ça. Non, mais je veux dire, excusez-moi, je comprends rien. Non, mais je l'aime beaucoup, mais c'est coup de foudre. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire le coup de rein, c'était avec un copain. Non, c'est pas ça, je comprends rien. Avec lui, ça deviendra. Moi, les coups de foudre, je sais pas trop, parce que moi, je tombe souvent, mais amoureuse, pas forcément d'homme, je veux dire, je fais attention à ce que je dis, putain. Non, non, mais faites pas attention à ce que vous dites. Vous êtes mieux quand vous faites pas attention à ce que vous dites, je vais vous le dire, moi. Ah, mais après, ça se retourne contre vous. Moi, quand je parle des hommes, ça se retourne contre moi, parce que je n'ai pas une vie, c'est vrai, classique, et que les gens... j'ai 42 ans, que je ne suis pas mariée, je ne suis pas installée dans une vie, mais c'est comme ça, j'ai plus rien. Et puis, il y a plein d'autres femmes comme ça, et puis crotte. Regardez Linda. Crotte et flûte. Mais bon, voilà. Non, mais elle est très jeune. Elle n'a pas 42 ans. Vous n'avez pas 42 ans. Mais Linda ne veut pas. Linda ne veut pas. Je suis passée plusieurs fois sur les bistouri. Non, mais c'est tout. Donc après, on vous pose des trucs, puis vous avez des articles, puis n'importe quoi, des trucs. C'est pour ça. Et puis, il n'y a pas assez de temps pour en parler, pour que ce soit véritable. D'accord. Dernier coup de rein, on va en rester là. C'était hier soir. Oui, mais un coup de rein, pour moi, c'est de l'amour. Hein. C'est de l'amour. C'est pas de la baisse. Non, oui, c'est de l'amour, mais l'amour, pour moi, c'est le sexe, il y a de l'amour dedans. Sinon, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord, bah, avis aux amateurs. Non, arrêtez. Bon, on va rallumer la lumière parce que ça va devenir trop chaud, là.